بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On reprend donc ce soir, alhamdulillah, l'authentique des récits des prophètes, l'histoire de Moussa. Et je ne sais pas, je ne pense pas, donc Arlem, est-ce qu'on pourra la terminer ce soir quand on reprend avec un nouveau chapitre de cette histoire. En tous les cas, si on ne termine pas ce soir, Inch'Allah ou Ta'ala, on termine au prochain cours. Étant donné qu'il reste vraiment peu de choses. Il reste 30 pages. Donc, Allah, ce qu'on va pouvoir faire. Mais en tous les cas, tout dépend de ce que je vais développer ou pas. En tous les cas, l'histoire de Moussa touche bientôt à sa fin. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je regardais donc, il reste vraiment, ouais, il reste à peine 30 pages. Il reste 29 pages. Donc, le chapitre suivant pour vous le dire, la construction de l'arche d'alliance. La construction de l'arche d'alliance, le récit de Qarun. Puis les mérites et les caractéristiques de Moussa. Puis je crois que c'est. Puis le pèlerinage de Moussa à la maison antique. Et enfin le décès de Moussa à Islam. Voilà. Donc on continue avec le chapitre suivant et on verra bien s'il nous reste 1, 2, 3 cours. Allez. La construction de l'arche d'alliance. Les gens du livre disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa alayhissalam de construire un dôme. Un dôme fait de bois d'acacia, de peau et de poils de bétail, et puis de l'orner de soie teintée, ou bien d'or et d'argent, d'une manière qu'ils ont détaillée. Donc ça nous est rapporté via les gens du livre. Il devait comporter 10 tentures d'une longueur de 18 coudées et d'une largeur de 4 coudées chacune. 4 portes, des câbles de soie et du brocart teinté. On y trouvait des étagères et des panneaux d'or et d'argent. Chaque côté comportait 2 portes principales et d'autres grandes portes, des teintures de soie teintées et bien d'autres choses qu'il serait trop long d'évoquer. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est moi qui le rajoute par rapport à cela, c'est que c'est quelque chose d'assez luxueux. Il lui ordonna, donc subhanahu wa ta'ala, à Moussa, alayhissalam, lui ordonna également de fabriquer un sarcophage en bois d'acacia, d'une longueur de 2 coudées et demie, d'une largeur d'une coudée et demie, et d'une hauteur d'une coudée et demie, recouvert à l'intérieur et à l'extérieur d'or massif, avec des poignées aux 4 coins, et que sur ses 2 extrémités soient dessinés 2 anges se faisant face. C'est un homme, se nommant Masalail, qui le réalisa. Encore une fois, ceci est rapporté par rapport aux gens du livre. Et donc, je le dis ici, car ce qui nous est rapporté des gens du livre, déjà, premièrement, il peut y avoir du vrai, du faux, des choses. Et moi, ce qui me frappe, premièrement, en fait, il faut toujours comprendre une chose. Il y a des règles. Il y a des règles, n'est-ce pas, qu'on apprend dans les fondements de notre religion. Puis parfois, nous parviennent des informations, n'est-ce pas? Et bien en fait, ça doit être tamisé, ça doit passer à l'intérieur de quelque chose qui s'appelle nos règles, nos grandes règles. Parmi nos grandes règles, on ne représente pas l'invisible. Donc moi, il y a quelque chose qui me choque et qui me dérange premièrement,
sans manquer de respect à ce que rapporte Ibn Kathir, c'est une chose sur laquelle je suis sûr et certain, c'est qu'on ne représente pas l'invisible. Personne ne sait à quoi ressemble un ange. Donc quand les gens du livre disent que sur les extrémités de ceci et cela, sur le sarcophage, il y avait des anges dessinés, subhanallah, c'est du raïb. Le raïb, c'est l'invisible. Comment tu vas représenter quelque chose que tu ne vois pas? C'est ce que, d'ailleurs, je marque une parenthèse ici, hein, comme quoi, vraiment, on peut parler de beaucoup de choses à travers les récits prophétiques, et on peut, sans pour autant parler de dévier, mais on peut aller de ci et de là, de par les sujets. Une chose très répandue dans la Ummah, mais c'est grave, et on le voit partout, mais bien sûr, surtout sur les réseaux sociaux. Les gens qui représentent ou qui prennent des images pour illustrer l'invisible, ils mettent des gens, vous savez, des gens en train de crier dans un feu. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est pas l'enfer. Tu sais pas c'est quoi l'enfer. Ils mettent un verger avec un ruisseau qui coule et puis un grand soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose d'assez joli, somme toute. Mais c'est pas le paradis. Si c'est ça ton paradis, garde-le. Moi, je vais en Normandie et je vais me mettre dans un champ et c'est ça. C'est pas ça le paradis. Ça, c'est la dunya. Le feu qu'il représente, le jardin qu'il représente, c'est la dunya. C'est la dunya. C'est pas l'akhira. C'est très grave de faire ça. Ils mettent des anges avec des ailes blanches, avec des plumes. On ne sait pas à quoi ressemble Jibril. Bah, il s'élève. C'est pas comme ça en tout cas. Shaitan, ils le font tout rouge avec des petites cornes. C'est pas Shaitan. Etc. etc. Bien sûr, ils se sont bien gardés de représenter Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Et alhamdulillah. Mais tout ce qui concerne le raïb, on voit les musulmans qui sont ignorants, malheureusement. Et puis quand on leur fait la nasiha, ils se gonflent d'orgueil. Je me rappelle avoir fait un nasiha à un frère récemment, c'est pour ça que je dis ça, en rejetant, en disant « Mais non, c'est juste pour illustrer quelque chose. » C'est bien de quoi je parle, oui. C'est interdit d'illustrer les choses dont tu n'as pas connaissance. Si tu veux illustrer une maison en représentant une maison, d'accord, oui, on sait ce que c'est une maison. Tu ne sais pas à quoi ressemble un ange. Tu ne sais pas à quoi ressemble Shaitan. Tu ne sais pas à quoi ressemble le paradis, l'enfer. Tu ne sais pas. Alors pourquoi tu représentes ce nom? Tu n'as aucune connaissance. Ça, c'est interdit. Les éléments, ils ont clarifié, c'est strictement interdit. Et le pire, c'est que j'avais ramené des paroles de savant à ce frère. Et non, il veut pas. Il voulait continuer. En fait, c'était un frère qui. Je vais me garder de le dévoiler parce que ça sert à rien. Et quand le guide me fasse revenir de son erreur, moi, je suis pas là, vous savez, pour aller tabasser mes frères et sœurs. J'y prends pas de plaisir. Mais malheureusement, c'est un frère qui tient quelque chose de public. Pour rester vague et discret, quelque chose de public. Je dis pas c'est quoi. Et c'est en ligne. Bon. Voilà, à vous de. C'est une page, un blog, un site, une application. Et il met des choses comme ça. Donc, il va illustrer des hadiths. Et les hadiths parlent de dunya parfois, mais parlent d'al-akhira, souvent. Et il va illustrer des choses d'al-akhira, normalement les portes du paradis, et les ceci, et le feu de l'enfer, avec des images. Tu dis, akhi, taqallah azawajal. C'est pas ça. T'es en train de donner une image fausse de la réalité d'une chose. On ne sait pas. N'illustre pas, ne mets rien. Mets le hadith, point. Non, mais c'est juste pour accrocher les gens. Et subhanallah, ça, c'est une da'wa bida. C'est une da'wa, ce qu'on appelle bida, c'est-à-dire fête de bida. Voilà, ils pensent que c'est mieux. C'est comme quand on avait réprimé à l'époque Nader Abou Anas et Rachid, et ainsi qu'un autre frère qui d'ailleurs, lui, s'est repenti. Vous savez, comme c'était la conférence de Rachid et Nader, « Alhamdoulilah, moi ça va ». Quelque chose comme ça. Ou je sais plus, je sais plus trop c'est quoi. Et il mettait en scène, il jouait la pièce théâtrale, voilà, d'un frère qui fait que des bêtises, qui se repent pas. Et puis les deux individus, Nader et Rachid, quand là les guides et nous guides, qui lui faisaient des exhortations. Bon, on fait pas une mise en scène comme ça pour faire la dawa. D'autant plus que le frère est rentré dans un rôle, a joué un rôle qui n'était pas le sien, il ment. Et lui, il s'est repenti. Lui, je crois qu'il est revenu de ce qu'on m'a dit. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Je crois qu'il est revenu sur la salafia. Et il a compris qu'en vérité, ça c'était de l'égarement pur. Il a dit, moi je me désavoue de cela, je veux plus. Je crois même qu'il avait demandé à ce que la vidéo soit retirée. Wallahu a'lam. Mais les deux se sont pas repentis, ils sont très contents. Rachid et Nader sont très contents de faire des choses comme ça. Ça c'est une dawa innovée. Pour faire dawa, on fait comme je fais là. On se présente devant les gens, on prend un livre, on explique des choses. Khalas. Ça c'est un prêche. Les savants l'ont fait, le front, et d'autres, et des étudiants, on le fait. Ça c'est une dawa, y a pas de problème. Maintenant, tu dis, on va monter une pièce de théâtre, on va jouer des rôles, toi tu vas jouer la fille égarée, moi je vais jouer l'imam. C'est quoi ça? Mais eux, ils ont dit, non, c'est mieux, ça va toucher les gens. On leur dit, là, tu ne toucheras pas les gens par l'innovation. Tu vas répondre du mal plutôt sur eux, mais ils s'entêtent. Bon, eux, c'est un cas. Et c'est pareil avec le fait, allez, je tiens un blog, je vais mettre des hadiths. Le problème, c'est que les gens, la lecture, ça va pas les toucher, Yarni. Vous comprenez? Ça va pas les toucher, hein. On voit le hadith rapporté par Al-Bukhari, c'est juste des écritures.
Non, ça va toucher que les étudiants. Moi, je veux toucher la masse. Alors, pour toucher la masse, je vais mettre des belles images. Comme ça, ils vont cliquer dessus. Sauf que les belles images, tu rentres dans l'interdit lorsque tu les fais représenter l'oreille. Parce que ça ne ressemble pas à ça, un ange. Ça ne ressemble pas à ça, Shaitan et compagnie et compagnie. Quand vous voyez ça sur les réseaux, blâmez ces gens-là. Je vous le dis, blâmez. Vous devez blâmer le blâma. Tu dis, est-ce que tu sais à quoi ressemble Shaitan? Pourquoi tu l'illustres? Il parle que la razogel. Et si vous voulez des paroles de savant, il y en a à ce sujet pour appuyer vos propos. Parce qu'ils vont toujours vous dire, tu dis ça, mais qui me dit que c'est haram? Très bien. On va voir, cher Ethemine, qu'est-ce qu'il dit, cher Fawzen, qu'est-ce qu'il dit. Et malheureusement, le frère, je lui ai montré même des paroles de LMA. Il me sort des oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Un hadith, ça se transmet de manière déjà orale à la base. Ça s'écrit même pas. Un hadith, c'est de manière orale. Rapporté par un tel. Que Ibn Omar rapporte que le prophète Aïssalat a dit. Hamd. Normalement, c'est comme ça. Maintenant, on les transmet à l'écrit, on se donne des flyers, on se donne des livres. Très bien, horrible. Maintenant, on commence pas à mettre des images pour. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à la représentation de l'invisible. Vraiment, c'est strictement interdit. Croyez-moi, c'est grave. Et donc, ne faites pas ça, bien sûr. Et blâmez les gens qui le font. Même si on vous trouvera bajoie, même si, c'est ce que disent les gens. Je ne fais que du bien. Je ne veux faire quoi? Que du bien. Je suis en train de propager des choses. T'es tout le temps sur mon dos à me dire c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. La religion, plutôt, ce n'est pas ta religion. La religion, c'est la religion d'Allah, Jalla wa Ala, c'est pas la tienne. Donc tu fais selon la voie, la méthodologie correcte, sahih, la vraie da'wah, soit tu fais rien. Mieux que tu fasses rien. Oui, c'est mieux. Non, eux, ils veulent faire comme eux, ils veulent. Mais comme si c'était sa religion, tu sais. Mais je vais le faire à ma manière. Non. Et les choses, c'est pas permis. On n'innove pas dans le da'wah. Hein? Comme les gens aujourd'hui qui disent, on va faire les miracles du Coran. Non, les ulama, ils ont dit, c'est pas comme ça. Mais ça touche les gens qui sont commencés à s'intéresser à l'islam. Non, non et non. On touche les gens qui commencent à s'intéresser à l'islam avec At-Tawhid, subhanallah. At-Tawhid wa Sunnah. Je le dis ici sans orgueil, sans ostentation, mais je le dis juste pour que vous compreniez, pour donner des exemples concrets. Des gens, alhamdoulilah, et toute la louange et tout le mérite revient à Allah, se sont convertis par ma cause. Je ne suis rien, moi je dis juste alhamdoulilah d'avoir été un pion qu'Allah a placé ici pour être une cause. Mais moi je suis personne, que ce soit clair. Mais ces gens-là, je les ai prêchés avec quoi? Avec des images? Avec les miracles du Coran et je sais pas quoi? En plus, les ulama disent que dans les miracles du Coran qui rapportent, il y a des choses véridiques. Certes, on dément pas, hein, mais des choses fausses. Ce qui fait que les koufars, après, se servent de cela. Oh, regardez le livre qu'ils ont écrit. Oh, regardez le DVD qu'ils ont sorti. Il y a ça et ça et ça, c'est faux. Et effectivement, ça, c'est faux. On se retrouve comment, nous? Ça discrédite l'islam plus qu'autre chose. Bref. Donc ça, c'est le premier point, déjà. Il y a du vrai et du faux dans leur miracle du Coran. Les choses, c'est vrai. Les fourmis, les abeilles, oui, les terres, les deux mers qui se rencontrent pas, oui c'est vrai, mais on va pas commencer à en faire un prêche. Eux, ils en font carrément un prêche de base. Ils passent pas par Kitab ou Tawhid, ils passent pas par Thalaf al-Usul, ils passent pas par tout cela, ils passent pas par les noms et attributs. Non, eux, ils passent directement, ils disent pas adorer Allah seul sans associer, ils disent émerveillez-vous devant cela, et après, donc ça c'est pas une darwa déjà, parce que déjà ça mélange le vrai et le faux. Et puis les ulama, ils ont dit Mohammed, Ibrahim, Moussa, Nuh, ils ont fait ça. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non! Donc toi, tu prétends faire une da'wah meilleure que celle que les prophètes. Subhanallah! Ça veut dire que ce qu'ont fait les prophètes, c'est pas terrible. Ça signifie ça. Moi, je vais faire mieux, moi. Non, non et non. Donc les gens qui, alhamdoulilah, se sont convertis et j'ai été une cause sur leur chemin, je n'aurais jamais montré des images ou donné des miracles du Coran ou je sais pas quoi. Un tel DVD, tel livre. Non! Ebeden! J'ai dit... On a parlé des bases, j'ai dit le tawhid, il faut adorer Allah seul sans associer. J'ai réfuté le christianisme quand j'ai eu affaire à des chrétiens. J'ai réfuté l'athéisme quand j'ai eu affaire à des athées. Et puis ça s'est passé de la sorte. Point. C'est avec le tawhid et la sunna qu'on fait aimer l'islam aux gens et que par la grâce d'Allah, ils embrassent l'islam, pas autre chose. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a rien omis de nous transmettre, nous aurait dit prêcher avec les miracles du Coran. Or, c'est pas le cas. Hein? Ça, c'est pas le cas. Maintenant, si au détour, na'am, de ton prêche, tu prends pour exemple parfois aussi, regarde donc le créateur ceci, Allah Jalla wa Ala cela, et Allah Subhanahu wa Ta'ala il a fait ci, regarde aussi, Subhanallah les fourmis, oui tu peux en mettre un miracle du Coran à l'intérieur, mais ton prêche doit pas être basé que là-dessus, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs dans Thalath al-Usul, pour ceux qui l'ont lu, ceux qui l'ont étudié, et c'est un livre Inch'Allah Ta'ala qu'on fera bientôt, ben on dit qu'on connaît Allah par quoi? Par ses signes, hein, par ses signes. Donc il y a les signes religieux, puis il y a les signes dans les cieux et la terre. Bien sûr qu'on doit méditer aussi sur la création. Hein? On ne dit pas qu'on ne doit pas parler de ça. Mais il y en a, ils en font complète. Ils n'ont aucune base, aucune sunna, aucun tawhid. Juste, ils veulent dire aux gens, émerveille-toi devant les deux mers qui ne se rencontrent pas. Très bien.
Et si la personne même a se converti à l'islam par cela, mais elle reste sur du soufisme, les khwaniyas, les... Femme, ça sert à quoi? Nous, on veut emmener les gens vers Kitab wa Sunna. Tawhid wa Sunna, n'est-ce pas? Sinon, ça sert à quoi? À rien du tout. Donc, quand tu fais une da'wa, tu la fais bien. Sinon, tu t'abstiens. Ça sert à rien. Ça, c'est la da'wa d'établir. On va amener les gens à l'islam, on va les amener. Oui, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Et après, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois que tu les as amenés? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Je le dis encore une fois, c'est toute la louange et tout le mérite revient à Allah. Vraiment, croyez pas que j'essaye de montrer moi je. Non, je suis pas comme ça. Mais peut-être essayer de montrer le bon exemple, surtout. Je pense, Allahu a'lam, avoir bien agi quand j'ai parlé à ces gens qui sont intéressés à l'islam. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont sur la salafia. Donc ça n'a pas été vain, mes efforts de cause envers eux. Je leur ai expliqué des choses. Aujourd'hui, c'est pas des soufis, c'est pas des ahbash, c'est pas des ikhwanis, c'est pas des tabliris. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et de ce que je peux de nouvelles que j'ai d'eux, je vois que c'est des gens qui s'accrochent à la sunna, au tawhid. Bah, alhamdulillah. Donc c'est dans un but comme ça aussi. On cherche à ce que les gens, oui, soient guidés sur l'islam, mais soient guidés sur la bonne voie. Parce que l'islam tout court aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand chose. Il est rentré en islam, masha'Allah. Après, il va avec les ahbash. Ah bah, il est sorti de l'islam, masha'Allah. Parce que les ahbash, c'est une secte de mécréants. Hein? On reste sur le cas général, hein. On l'a déjà expliqué. Les jahmiyas, c'est des mécréants au cas général, au cas particulier, c'est autre chose. Mais être avec les ahbash, c'est loin d'être bon signe et c'est loin d'être agréable. On souhaite ça pour personne. Hein? Cette personne-là se rapproche du kufr dès lors qu'elle est avec les ahbash. Quelle joie il y a de savoir qu'une personne est rentrée en islam pour aller avec les ahbash. Dis-moi, explique-moi mon frère, ma soeur, où est la joie? Il y en a, ils veulent juste dire, elle est rentrée en islam, ah, super. Donc c'est toutes ces séries, on en a déjà parlé, The Hereafter, c'est atroce, j'ai l'accent arabe qui ressort dans les mots en anglais et en français, parfois, le prophète, comme je dis des fois, c'est atroce. Ça, c'est le mélange des langues, pour le peu que je parle anglais, ça m'arrive, le français et l'arabe, c'est terrible. C'est totalement terrible. Hereafter. C'est le rat qui ressort. Alhamdulillah, c'est l'arabe qui prédomine. C'est atroce. C'est complètement atroce. Bon, en gros, la série Hereafter. Non. Qu'est-ce qu'il y avait? The Signs. Résonne aussi récemment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, La Voix Éternelle avec le frère qui s'appelle Jean Mecca. Cet autre genre de série. Tout cela. On ne doute pas de la bonne intention des gens. On ne doute pas que c'est des gens qui veulent parvenir voilà, à ce que l'islam se répande. On ne doute pas. On n'a pas dit que c'est des hypocrites, c'est des gens méchants. Non. Mais ils s'y prennent d'une mauvaise manière. La seule bonne série connue comme cela, c'était les munitions bénéfiques. Celle-là, je vous la recommande. Et celle-là a été mise sur ma chaîne d'ailleurs. L'intégrale, 4h30. 3h30 ou 4h30? 4h30, je crois. Wallahu a'lam. Les munitions bénéfiques, c'est une très bonne série. Du reste, je vous dis les The Sign, After, et puis. Et Voix Éternelle, et quoi d'autre encore, et The Harry Wars aussi, il y avait quoi encore, il y avait plein de trucs différents qui mélangent du vrai et du faux, parce que des fois c'est fait par des hisbis, voilà. Et donc, on ne peut pas se fier sur ces choses-là pour apprendre l'islam. On apprend l'islam en prenant des cours sur différents sujets, on se rapproche des étudiants fiables, on se rapproche des ulama de la sunna, c'est comme ça qu'on apprend notre religion. Ah, Tawhid wa Sunnah. C'est pas. Il y a une belle série sur YouTube, il y a 60 épisodes, super. C'est comme Hereafter, c'est comme ça. Hereafter, il faut savoir qu'il y a peut-être 75% de faux pour 25% de vrai. C'est tellement. Il y a des hadiths faibles, il y a du faux, il y a des hisbis qui parlent. C'est n'importe quoi cette série. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi, je vous le dis. Mais, voilà, c'est. Les gens aujourd'hui veulent apprendre leur religion comme ça. Se caler devant une série YouTube et dire je vais apprendre mon dîme. Non, c'est pas comme ça. Alors, toutes ces séries-là, on doit réellement les délaisser, et puis si on peut contacter les gens qui sont à l'origine de ces séries, on fait, voilà. Mais c'est pas avec ça qu'on va amener les gens à l'islam. D'ailleurs, même avec ces séries là il y en a carrément qui vont chez le Daesh après. Il y en a qui avaient dit, ils avaient regardé je sais plus c'était laquelle, je crois que c'était The Signs ou Hereafter, je sais plus, mais c'est ces séries là dites choc et dites percutant pour amener quelqu'un à l'islam, qui emmène en fait les gens. Qu'est-ce que t'as gagné quand une personne regarde ça et qu'elle va chez Daesh? Ah, c'est sûr, c'est converti à l'islam. Super. Pour aller où? Donc, faut qu'on revoie tout ça. Faut qu'on voit un petit peu la manière. Le but, c'est pas bête et méchant de dire on amène les gens à l'islam. On les amène à l'islam d'une bonne manière, d'une belle manière. Tout ça pour dire que donc, on fait pas n'importe quoi où j'en étais dans le da'wah, et donc on représente pas aussi les choses de l'invisible. Et c'est fait d'ailleurs dans toutes ces séries-là. Combien de fois ils le font? Combien de fois ils le font? Ils n'arrêtent pas d'imager toutes sortes de choses. Hein?
notamment dans la série du frère Canon Guide, la voie éternelle. Là. Catastrophe, c'est une catastrophe. Il va imaginer des petits anges avec une auréole sur la tête et des petites ailes. Le paradis, c'est un grand jardin avec un pommier. Non, mais, c'est une catastrophe. Ah. Mais vous voyez pas le mal, peut-être. Vous regardez ça, ah, c'est bien, machin, là. Ben, s'il y a du mal. Ah. On fait pas ce qu'on veut. Donc, tout cela pour dire que, il y a quelque chose qui m'a choqué dans le livre, et c'est pas parce que c'est Ibn Kathir qui rapporte que je vais me taire ici. Hein. Ibn Kathir, c'est pas Mohammed, alayhi salam. Je dis que, quand il dit qu'il y a des poignées aux quatre coins et que sur ces deux extrémités soient dessinés deux anges se faisant face, moi je dis que non, c'est pas possible. Après, ça vient des gens du livre. Donc ceci explique cela. Ils ne représentent pas les anges, ils font partie de l'invisible. À partir de là, on ne peut pas les représenter sur une gravure de bois ou sur le sarcophage. Là. Wallahu a'lam. Ensuite, Allah Azzajal lui ordonna à Moussa de fabriquer une table en bois d'acacia d'une longueur de 2 coudées, d'une largeur d'une coudée, d'une hauteur d'une coudée et demie, recouverte d'or, ayant une poignée d'or aux quatre côtés, et un ornement en forme de grenade gravé dans le bois et laqué d'or. Et aussi de fabriquer des ustensiles à placer sur la table. Il lui ordonna aussi donc de fabriquer un chandelier en or, duquel naissaient 6 branches en or, 3 de chaque côté, et sur chaque branche 3 flambeaux et 4 bougies sur le chandelier. Et ce chandelier et tous les ustensiles de la table soient faits d'or également. Et ce fut également le même homme qui le réalisa, de même que l'autel. Donc tout cela pour dire que ce dôme donc ça, et tous ces éléments, on vise la construction donc de l'arche d'alliance. Hein, construction de l'arche d'alliance, comme le titre l'évoque. Ce dôme fut élevé le premier jour de leur calendrier, le premier jour du printemps, de même que le coffre auquel il est fait référence, Allahu A'lam, dans la parole d'Allah. Leur prophète leur dit, le signe de sa royauté sera le coffre qui vous parviendra. Il contient une quiétude venant de votre Seigneur et les reliques de ce que laissèrent la famille de Moussa et la famille de Haroun. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Ça c'est dans Surat al-Baqarah. Non. Donc Ibn Kathir dit, nous avons résumé cette partie qui est très détaillée dans leur livre et comprend entre autres des rites, des règles et la description de leurs offrandes. Voilà. Et encore une fois, on rappelle, hein, tout ça c'est rapporté donc, depuis les gens du livre. On se permet de rapporter ces choses-là, mais avec des pincettes également. On ne peut pas dire que tout est vrai chez eux, non. Non. Ils disent également, donc, les gens du livre, que le dôme existait avant qu'il n'adore le veau, et cet événement eut lieu avant qu'il n'arrive à Beit el-Maqdis, et que ce dôme était pour eux comme la Kaaba. Ils y priaient, ils s'orientaient vers lui, et ils amenaient leur offrande. Lorsque Moussa y pénétrait, il restait autour de la colonne de fumée, et descendait sur la porte. Il se prosternait alors pour Allah, et Allah s'adressait alors à Moussa depuis cette colonne de fumée, qui était une lumière. Allah s'adressait à Moussa, lui révélait des ordres et des interdictions, alors que Moussa se tenait près du coffre entre les deux anges. Je ne sais pas si on parle des anges qui seraient gravés sur le coffre, puisque c'était ce qui était... Il avait fabriqué un sarcophage en bois. Voilà, c'est ça le coffre. Aux quatre coins, les anges soient dessinés 2 anges qui se faisaient face. Je pense que c'est ça qu'il s'agit, et je ne suis toujours pas d'accord avec cela. Au Harlem. À la fin de leur conversation, il informait les enfants d'Israël de ce qu'Allah lui avait révélé comme ordre et interdiction. Et lorsqu'il l'interrogeait sur une chose dont il n'avait rien reçu d'Allah, il venait à ce dôme, se tenait près du coffre entre les 2 anges et le jugement lui était révélé. Mais tout cela, même quand, comment Ibn Kathir le rapporte, vous avez vu, c'est toujours selon eux, le jugement lui aurait été révélé, voilà, il n'avait rien reçu, hein. Moussa se tenait, tout ça c'est du conditionnel, c'est ça. C'est, on sent bien qu'il me casse, il dit pas ça s'est passé comme ça. On n'a pas de chaîne de narration chez nous. On dit pas c'est comme si, c'est comme ça. Non. Selon eux, il s'avère que ceci cela. Mais très honnêtement, cette chose là me paraît étrange. Allahu a'lam. Hein? Et des gens du livre, c'est comme ça malheureusement. Ils vont dire des choses très vraies, ils vont rapporter des choses qu'ils ont puisées depuis leur livre divin, et ils n'ont pas à se falsifier, mais des fois ils racontent n'importe quoi. Donc on ne doit pas démentir complètement ce que rapportent les gens du livre, parce qu'il peut y avoir du vrai comme du faux. Mais on ne peut pas tout accepter non plus. Et quand on a des indices comme ça, notamment comme la gravure d'ange, pas besoin d'avoir énormément de science pour savoir que, je sais pas, ça sonne pas, c'est étrange. Wallahu a'lam. Après, c'est peut-être que ce détail qui est étrange, le reste est peut-être vrai. Et je dis Wallahu a'lam avec le peu de science que j'ai. Non. Donc cela leur était permis à leur époque, c'est-à-dire l'utilisation de l'or, ça c'est autre chose, de la soie teintée et des ornements dans les lieux d'adoration. Ça c'est autre chose. Nous, notre législation, elle nous interdit effectivement pour les hommes l'utilisation de l'or, de la soie. Mais ça par contre, là il n'y a rien de dérangeant. C'est tout à fait normal qu'eux, ils aient utilisé, enfin tout à fait normal, tout à fait plausible surtout.
tout à fait plausible que eux, les juifs, les suiveurs de Moussa alayhissalam, aient utilisé de l'or et de la soie. Parce que c'est lié à leur législation. Ça, ça ne nous pose aucun problème. Par contre, la représentation de l'invisible, de tout temps, je ne vois pas comment c'est faisable. Je ne vois pas. Voilà, faudrait m'éclairer, je ne comprendrais pas ça. Donc cela aurait été permis à l'époque, c'est-à-dire l'utilisation de l'or, de la soie teintée, les ornements dans les lieux d'adoration. Mais dans notre législation, donc l'islam, nous aujourd'hui, cela est interdit. Et nous, on nous a interdit d'orner et d'embellir les mosquées, afin de ne pas déconcentrer les fidèles. Hein? Comme dans le hadith connu, on ne m'a pas ordonné d'orner les mosquées. Hein? Rapporté par Abi Daoud et authentifié Sahih par donc Cheikh El Albani. D'accord ? Or malheureusement aujourd'hui, tu vois des mosquées qui sont très très belles dans l'architecture. Elles sont vraiment bien faites, elles sont ornées, elles sont tout cela, mais c'est dénué de tawhid. C'est complètement dénué de tawhid. C'est un massacre à l'intérieur. C'est le shirk et la bid'a qui est prêché. Donc aujourd'hui, les mosquées sont embellies, mais pas les cœurs, pas le prêche qu'il y a à l'intérieur. Puis parfois, tu as des petits locales, ça paye vraiment pas de mine, des vieilles maisons abandonnées, données par la mairie pour faire un local, et c'est une mosquée salafie. Je sais déjà à quoi je pense quand je dis ça. Je vois deux exemples dans ma tête très très distincts. J'ai des exemples. J'ai fréquenté deux mosquées. Il y en a une, c'est vraiment une vieille maison qu'on essaye d'entretenir d'ailleurs. Et mais ça paye pas de mine, quoi. Et puis de l'autre côté, t'as une mosquée avec des salles de cours. Pour faire quel cours, on se demande. Des salles de cours, grandes salles d'ablution, le chauffage, la climatisation. On a mis des caméras, Allahu Akbar, des volets roulants. Mais waouh. Une belle moquette et tout, des colonnes, de la mosaïque. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hein. Mais ce qui est prêché là-bas, c'est tout sauf la vérité. Donc voilà. Aujourd'hui, on n'orne pas, on n'embellit pas les mosquées pour pas déconcentrer les fidèles. Comme l'a dit Omar ibn al-Khattab, la personne qui se chargea des travaux d'agrandissement de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, prends garde à ne pas peindre en rouge ou en jaune, afin de ne pas tenter les gens. C'est-à-dire, il faut rester neutre. Et sachez qu'à l'époque du prophète Aïssa alayhi salam ou des califes bien guidés, c'était loin de ce qu'on a maintenant. Hein, c'est venu par la suite en fait. C'est parti un peu n'importe comment au fil des années, des siècles. Donc ils ont fait des choses grandioses comme ça, mais le tawhid n'était plus grandiose dans le cœur des gens. Mais aujourd'hui, il y a de superbes monuments dits islamiques. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a, qui à l'intérieur. Vous comprenez ? Eux à l'époque, c'était vraiment des mosquées debout. On priait à même le sol, c'était de la terre en fait par terre. Ça, il faut comprendre. C'est pour ça qu'ils pouvaient prier avec leurs chaussures à la mosquée. C'est pour ça qu'on connaît cette sunna. Il n'y avait rien. Donc, si tu regardais la mosquée de l'époque, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'imène dedans ? Subhanallah, qu'est-ce qu'il y a de la foi ? Nous, aujourd'hui, c'est « Ah, mashallah, Allah Akbar, belle mosquée. » Une belle mosquée pour faire quoi ? Dites-moi. J'ai l'impression que plus elles sont belles aujourd'hui, moins il y a de foi à l'intérieur. Donc, voilà ce qu'il y avait en tout cas. Omar ibn al-Khattab et Radam Hu, ne tente pas les gens. Hein, ne peint pas en rouge ou en jaune afin de ne pas tenter les gens. Et Ibn Abbas a dit, vous allez les orner, donc en parlant des musulmans, en parlant de leur mosquée, il a dit, vous allez les orner vos mosquées, tout comme les juifs et les chrétiens ont orné leur église. Il n'a pas dit ça comme ordre, ni comme indication, mais comme réprimande, comme annonce, il savait. Il a dit, ah, vous allez les orner hein, vos mosquées, comme les juifs et les chrétiens ont orné leur église. Il disait, malheur, malheur à vous. Et cette communauté ne ressemble pas aux communautés précédentes, car Allah réunit leurs pensées dans la prière pour s'orienter vers lui. Et il les a préservés via leurs regards et leurs pensées de tout ce qui pourrait les distraire de l'adoration qu'ils sont en train d'accomplir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, et toute la louange revient à Allah. Malheureusement, aujourd'hui, on les distrait déjà dans nos nefs de ce qu'on pense de dunya, les vêtements qu'il y a à gauche, à droite quand on prie à côté des fidèles, la mosquée en elle-même. Enfin, il y a tout pour être déconcentré de nos jours. Et je dis, rares sont les fois où je pense que la prière est vraiment pleine de quiétude. Et c'est ce qu'on devrait viser, chercher un endroit vraiment tranquille pour prier. C'est un moment important, donc chercher un endroit voilà, calme, je parle même par rapport aux sœurs, je visais plutôt les sœurs qui sont donc chez elles, chercher un endroit calme pour prier, ne pas être dérangé par d'éventuels bruits ou d'éventuelles couleurs ou symboles devant nous. Hein, je sais pas, voilà, s'il y a un tapis, la sœur t'es chez toi, t'as un tapis, il est attrayant, il a tel motif, etc. C'est à éviter, il vaut vraiment mieux se mettre dans les meilleures conditions afin de prier. El-Mohim, Bani Israël, donc, on revient à l'histoire, ils transportaient avec eux donc ce dôme pendant leur errance. Et ils priaient en sa direction. Leur imam était donc Moussa, et celui qui présentait les offrandes était Haroun. Lorsque Haroun et Moussa moururent, les enfants de Haroun prirent la succession de la tâche de leur père, et ce jusqu'à nos jours. Après Moussa, ce fut son disciple, Yusha ibn Nun, qui se chargea du fardeau de la prophétie, et c'est lui qui les fit pénétrer à Beit el-Maqdis, comme cela viendra plus tard, Inch'Allah.
D'accord? On va voir après donc cette histoire-là, le successeur de Moussa. Quand on dit qu'il se chargea du fardeau de la prophétie, c'est pas péjoratif quand on dit fardeau, mais c'est quelque chose de lourd à porter. C'est ça qu'on dit normalement un fardeau, une charge. C'était lourd de charge la prophétie à porter. Donc c'est un fardeau quelque part. Voilà. Hein? C'est un honneur, mais un fardeau également. C'est très lourd à porter. Voilà, je ne peux pas dire mieux que cela. L'essentiel, le muhim, c'est que lorsqu'ils s'installèrent, donc Bani Israël, à Beit al-Maqdis, ils ont mis donc le dôme sur le rocher. Et ils priaient en sa direction. Lorsqu'il disparut, ils continuèrent à prier dans sa direction, c'est-à-dire le rocher. Et c'est pourquoi cela fut la qibla des prophètes jusqu'à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas venu directement. On ne priait pas au début de l'islam en direction de la Kaaba. On ne priait pas en direction de la Kaaba. On priait plutôt donc en direction donc de Beit al-Maqdis. On va l'expliquer. Donc le prophète, hein, priait. Et c'est tous les prophètes d'ailleurs, jusqu'à Mohammed a.s.w. prier dans la direction d'Al-Maqdis avant, en tout cas on revient à l'histoire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'avant la hijra, hein, tout en mettant la Kaaba devant lui. Et lorsqu'il émigra vers Médine, on lui ordonna de prier en direction de Beit al-Maqdis, ce qu'il fit donc pendant 16-17 mois. Puis la Qibla se déplaça vers la Kaaba, qui était la Qibla de Ibrahim a.s.w. Donc ça a donc changé. Ceci eut lieu au mois de Sha'ban, en l'an 2 de l'Hégire, à l'heure de la prière de l'Asr, ou bien Dhor pour certains, Mouhim, comme nous l'avons rappelé en détail dans le tafsir, en explication de la parole d'Allah Azzawajal. C'est dans un verset notamment, dans plusieurs versets de Sourate Al-Baqarah qu'on va lire maintenant. Mais donc, c'était comme cela. C'était en pleine prière, les compagnons leur ont dit, on ne prie plus vers Beit al-Maqdis, mais on revient vers la Kaaba. Pas de problème, ils se sont tournés, ils n'ont pas cherché à comprendre. C'est ce qu'on explique toujours aux gens aujourd'hui. Tu leur dis ça c'est haram, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, regarde les preuves. Oui mais. Eux ils étaient en pleine prière. On leur dit c'est comme ça, il faut changer de direction. Nous avons entendu, nous avons obéi. Ils changent de direction et ikhlas. C'est pas des gens qui négocient. Aujourd'hui les musulmans, les choses elles sont claires. Même lui-même il sait qu'il a tort, mais ils veulent négocier. Oui mais. On m'a posé une question récemment et j'ai pas apprécié la manière dont la personne m'a posé cette question-là. Et je le redirai encore une fois, 98% des gens qui me questionnent sont très respectueux. Mais il y a toujours 2% de gens mal éduqué, qui donc vient me questionner, une question, je lui réponds, au début ça se passe bien, une deuxième question, la question c'est la suivante, que je me rappelle, oui, est-ce que je peux travailler, pas dans l'armée avec les armes à faire la guerre, mais travailler en tant que cuisinier, médecin ou quelque chose comme ça dans l'armée française, moi je veux juste avoir un job, comme s'il n'y avait pas d'autres jobs, subhanallah. Je veux juste un job, voilà, ceci, cela, mais moi, j'aide pas les koufars à faire leurs choses. J'ai dit non, c'est haram. Les Islamistes ont clarifié, enfin, c'est haram. Tu tiens peut-être pas le fusil, mais tu nourris ceux qui le tiennent. Donc, ils vont partir en guerre contre les musulmans. Toi, tu les nourris, tu les soignes, subhanallah. Non, mais moi, c'est juste l'armée de terre. J'ai dit, achi, c'est pareil. Achi, c'est pareil. Tu travailles pour des koufars, tu rentres pas dans l'armée des koufars, c'est pas permis. Oui, mais. J'ai dit, écoute, je t'ai donné la réponse, khalas. Il me fait, on peut pas discuter de la réponse avec toi. J'ai dit, t'es pas là, on n'est pas dans un salon de thé, t'es pas là pour discuter. Tu m'interroges, je te réponds, qarara, qarasul, qarara, elema. Oui, mais moi je veux, si tu veux, pourquoi tu me demandes? Va t'engager dans l'armée, akhi. En fait, ils veulent quoi? Ils veulent une sorte de bénédiction. Ils veulent qu'on leur dise, vas-y, bismillah, vas-y, oui, c'est bien ce que tu fais. Ben non. Non. C'est pas permis, donc on le dit. Hein? C'était pas permis, donc on le dit. Mais des fois, il y en a, ils veulent juste, en fait, ils posent la question juste pour qu'on leur dise oui. Donc peut-être qu'à la suite de ça, ils se tourneront vers un autre prêcheur qui ira dans le sens de leur passion pour qu'ils lui disent oui. Oui, tu peux, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème, tant que toi, tu ne tires pas sur tes frères musulmans, il n'y a pas de souci. Moi, je vous l'annonce, c'est mort, c'est haram, ça c'est interdit. Hein? T'es comme ça avec eux, tu vas être avec les couvents déjà, tu vas faire comment pour faire la salade dans l'armée, tu m'expliqueras, ça risque d'être compliqué. Et puis quand bien même, tu t'allies pas avec les koufars comme ça dans l'armée, même pour leur cuisiner des choses. Et après, donc ils voulaient forcément en débattre, en discuter. Et je me demandais de quoi on allait débattre et de quoi on allait discuter. C'est pour ça que je prends l'exemple des compagnons qui se sont tournés vers la Kaaba sans en discuter. On va débattre de quoi? Il me dit, oui, mais moi, si demain j'ouvre un restaurant, je dis, Tahib, et je peux pas empêcher les mécréants de venir manger. Je dis, Tahib, bah donc je suis en train de nourrir des mécréants, et ça, je dis, subhanallah, mais ça n'a rien à voir. C'est des civils déjà pour la plupart, puis t'en sais rien déjà premièrement, et puis c'est ton restaurant à toi, tu peux pas empêcher les gens de consommer. N'est-ce pas? Tout comme il y avait du commerce entre les mécréants et les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tu peux pas empêcher cela. Il y a aucun mal à ce qu'un mécréant vienne manger dans ton restaurant. Qu'est-ce que tu veux l'empêcher? Ton restaurant il est public, non? Tu vas pas dire interdit aux mécréants, ça c'est pas comme ça. Tu lui vends, c'est du commerce. Il veut acheter une baguette de pain, t'es boulanger, bah donne-lui son pain, pire classe.
T'es pas dans le truc de je fortifie des soldats pour qu'ils aillent tuer mes frères. Par contre, quand toi, il y a bien une différence, hein, c'est net, entre rentrer sciemment dans l'armée, là tu sais avec qui tu es, hein, et tu nourris des soldats, tu soignes des soldats, ou tu aides à la logistique des soldats. Ça n'a strictement donc rien à voir. Après, il est parti un petit peu dans son délire en me disant mais il tue pas des musulmans, et moi j'ai dit ok, salam alaykoum. Voilà, ça sert à rien. Tout ça pour dire que, quand on pose une question, on n'est pas là après pour discuter de la guerre. On peut pas discuter de la réponse avec toi. Non, c'est pas un salon de thé. On n'est pas là pour discuter. Tu me demandes est-ce qu'il y a des choses rapportées sur ce sujet. Je te dis le cas, le hukm de cela, c'est que c'est haram. Salam alaykoum, c'est fini. Vous comprenez? Évitez si peut-être vous le faites. Oui, mais moi je pense que si c'est ça que tu veux, va le faire avec quelqu'un et un ami qui aime cela. Et sachez que ça c'est haram. Débattre comme ça au sujet du compte d'Allah et de son messager et inventer des choses et discuter, palabrer. Ça fait que égarer les cœurs et durcir les cœurs. Ah, ça n'amène rien de bon. Le croyant sincère, c'est celui qui se contente de qarra-qarra-sul, même si ça ne l'arrange pas en son être, bah, il s'en accommode. Et puis c'est tout. Tout ça pour dire que donc, on revient sur l'histoire du changement de la Qibla, en citant notamment Surat al-Baqarah dans le sens verset 142 à 150. Les simples d'esprit diront, qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant dans la prière? Dit, c'est à Allah qu'appartiennent l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins contre les gens, comme le messager sera témoin contre vous. Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu t'orientais que pour savoir qui suivrait le messager et qui se détournerait. C'était un changement difficile, sauf pour ceux qu'Allah a guidés. Et Allah ne veut pas vous faire perdre la récompense de vos prières, car Allah est clément et miséricordieux envers les hommes. Nous te voyons tourner le visage en tous sens vers le ciel. Nous t'orientons donc vers une direction qui te plaît. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez vos visages dans cette direction. Et ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Et même si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction. Et tu ne suivrais pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu de science, tu serais du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre connaissent le prophète comme ils connaissent leur fils. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. À chaque communauté, une direction vers laquelle ils s'orientent. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est capable de toutes choses. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Voilà la vérité venant de ton Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez vos visages dans cette direction, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez pas, mais craignez-moi, afin que je complète sur vous mon bienfait et que vous soyez bien guidés. Masha'Allah. Donc sur cette histoire de changement de direction, je pense que les versets dans le sens parlent d'eux-mêmes. Et c'est clair. Naam, voilà pour ce chapitre. Et wallahu a'lam, ce que je dis donc concernant la gravure ou la sculpture des anges, là comme ça, ça ne me plaît pas du tout. Wallahu a'lam. Comme on a vu, c'est rapporté par les gens du livre, donc des choses parfois qui vont contredire nos règles. Je vous dis, nous on se base sur ce qu'on connaît de sûr. Des choses certaines. Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça a toujours été comme ça dans la religion, ça ne bouge pas. On nous rapporte une histoire et directement ça passe au détecteur. C'est une histoire qui n'est pas un hadith sahih, c'est rapporté par un tel, un sage a dit, un poète a dit, une personne parmi les gens du livre a dit. Et on se dit, attends, est-ce que c'est probable ça? Nous, on sait que ça, c'est pas possible. À part s'il y a des changements de législation, ça c'est autre chose. Mais là, c'est quelque chose que nous, dans notre croyance, on ne peut pas tolérer. Dans notre croyance, on ne peut pas tolérer cette chose-là. Et puis même dans le bon sens, le raïm signifie l'invisible. Depuis quand tu représentes quelque chose que tu ne peux pas voir? Hein? Je voulais quand même le souligner et le signaler. Non. Donc on passera au chapitre suivant, à savoir le récit. Et c'est bon ici, on reprend le cours. Donc le récit de Qarun. On commence en citant des versets dans le sens de Surat al-Qasas, versets 76 à 83. En vérité, Qarun était du peuple de Moussa, mais il ne se souciait pas de les respecter. Les trésors que nous lui avions octroyés étaient si nombreux que leur seule clé ne pouvait être portée qu'à bout de bras par un groupe d'hommes forts. Imaginez.
Son peuple lui dit: ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants, et vise à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, sans oublier ta part en cette vie. Sois bienfaisant, comme Allah l'a été envers toi, et ne cherche pas à semer la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Il dit: si j'ai obtenu cela, c'est parce que je le mérite. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations bien plus puissantes et bien plus aisées? On interroge nullement les criminels au sujet de leurs péchés. Un jour, il sortit en étalant tout son faste et tout ce qu'il possède. Ceux qui aimaient la vie présente dirent: si seulement nous possédions autant que Qarun, il a certes été doté d'une immense fortune. Tandis que ceux à qui le savoir fut légué dirent: malheur à vous, la récompense d'Allah pour celui qui croit et agit en bien est encore meilleure. Mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Nous ouvrîmes la terre sous ses pieds, et le fîmes disparaître. Lui et sa maison. Personne ne lui fut d'aucun secours face à ce qu'Allah avait décidé, et lui-même ne put se défendre. Et ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se mirent à dire: ne vois-tu donc pas qu'Allah, selon sa volonté, fait de larges dons à certains et les resserre pour d'autres? Si Allah ne nous avait pas fait grâce, il nous aurait certainement fait engloutir. Ne vois-tu donc pas que les mécréants ne réussissent pas? Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Ainsi, la fin heureuse appartient aux pieux. Subhanallah. Ces versets, tous les versets sont étonnants d'éloquence. C'est très, très bouleversant et touchant. Et ça nous perce, ça nous transperce. Et on comprend cela par rapport à la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Dans ce qu'on vit dans cette société de matérialiste, où les gens, les koufars en tête bien sûr, mais aussi certains musulmans ou pseudo-musulmans, s'enorgueillissent en disant qu'ils méritent ce qu'ils ont eu. Et ils affichent comme ça, il y a des concours d'afficher tout ce que tu possèdes de plus luxueux, entre guillemets. Mépriser les pauvres, n'est-ce pas? C'est la course comme ça, à l'argent, au fric, à l'ostentation. Et d'étaler tout ce que tu peux avoir. Alors que tu sais que c'est rien, que ça ne vaut rien, et que tu n'es rien. Et les gens marchent avec orgueil sur terre. D'accord? Et là, la fin est très claire. La demeure dernière, elle est réservée à ceux qui cherchent ni à s'élever sur terre. S'élever, on n'est rien du tout. Nous ne sommes que des gouttes de sperme. Pourquoi s'élever au-dessus des autres? Ni à semer la corruption. Parce qu'en général, ceux qui ont l'argent comme ça et qui cherchent à s'élever vont être injustes, vont être des corrupteurs sur terre. J'aurais bien des noms qui me viendraient en tête, ne serait-ce que même parmi certains rappeurs et autres. Mais il y a des choses qui sont vraiment graves et flagrantes, mais surtout pour eux. Surtout pour eux. Parce qu'en un clinquement de cils, ces gens-là peuvent disparaître et toute leur fortune engloutie. On peut surtout dire qu'Allah les guide. Puisqu'il y en a qui se prétendent musulmans parmi tout cela. C'est ça qui est le plus triste. Quand on voit des koufars faire cela, c'est triste pour eux, mais on sait qu'ils n'ont pas de deal. Mais certains qui prétendent à l'islam, et vraiment on dit ils prétendent, parce que où est l'islam, ils font des choses complètement absurdes. Alors aujourd'hui, ce n'est plus, je l'avais déjà expliqué, ce n'est plus, ils vont pas acheter un vêtement parce qu'il est utile, il est confortable, et puis il leur plaît surtout. Non, ils vont acheter parce que ça coûte cher. Et puis il faut se montrer après sur les réseaux pour montrer que moi, ma maison vaut plus que la tienne, ma voiture vaut plus que la tienne, et mon survêtement coûte, j'en sais rien, coûte 15 000 euros. Super, j'ai un cuir, coûte 55 000 euros. J'ai une montre, coûte 300 000 euros. Et ils sont très contents de jouer comme ça à la bataille à l'orgueil et à la guerre de cela. C'est pathétique d'une part, c'est réellement pathétique pour celui qui a une once de foi et de science, parce qu'il sait très bien que ça vaut rien tout ça. Puis qu'une montre, c'est une montre. Elle peut être jolie, elle peut te plaire, et ça, ce n'est pas interdit. Je tiens à le dire. Acheter un bel objet parce que nous on l'aime, ce n'est pas interdit. Porter de beaux habits que nous on aime, ce n'est pas interdit. Mais commencer à vouloir rivaliser avec les gens, ça ce n'est pas correct. Commencer à vouloir écraser les gens, mépriser les gens, ce n'est pas correct. Et puis être dans la surenchère et la démesure totale comme ça, ça ce n'est pas correct non plus. Ce sont des gens qui n'ont que la vie présente sous les yeux. Et ces versets vraiment sont riches, sont réellement riches. Et l'histoire de Qarun est certes pleine de sagesse. On doit méditer là-dessus. Et des gens aujourd'hui, ils sont réellement dans son cas, qui pensent que ce qu'ils ont, voilà, c'est dû à leur mérite, à leur effort, et voilà. Et puis ils se pavanent comme ça à tout sortir. Aujourd'hui, c'est devenu comme des concours, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, les gens aiment à montrer, voilà, même les gros daïouf qu'ils sont. Et je pense aussi à certains rappeurs, les gros daïouf qu'ils sont aiment à montrer leurs femmes quasiment nues sur les réseaux. Mais depuis quand même un homme, sans même parler d'un musulman, fait cela? Un homme qui a un minimum de dignité, c'est pas possible normalement. En fait, ils sont tellement malheureux, parce qu'ils ont tout ça, mais ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas la foi.
Ils n'ont pas la foi sincère dans le cœur. Donc ils sont malheureux. Donc il peut t'exposer sa Lamborghini, sa Ferrari, mais il est quand même obligé de faire un post Instagram pour te souligner qu'il a ça. Quelqu'un qui est heureux, il n'a rien à communiquer sur les réseaux sociaux. En vérité, normalement. Parce que tu partages une balade en forêt avec ta famille. Si vraiment t'es apaisé, vraiment t'es heureux, tu le gardes pour toi. Non, aujourd'hui, il faut le mettre devant les gens. En fait, tu cherches à montrer aux gens que « Regardez, je suis un petit peu heureux. » Tu cherches quoi à exister dans le regard des gens? C'est d'un pathétique sans nom. Bah eux, ils ont la Lamborghini, la Ferrari, et il est avec sa femme siliconée de je ne sais quoi, et ceci, soi-disant, c'est la plus belle. C'est juste un jean, en vérité. Je sais pas ce qu'il y a là, Chariadine et compagnie. Mais il est très content et très fier de l'exposer. Et donc, on voit la moitié de ses cuisses et sa poitrine, et il est très content. Voilà. Et puis, ils n'ont pas de fierté, ils n'ont pas d'honneur. Et c'est des daïous, des pervers, des égarés. Les qualificatifs ne manqueraient pas. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. Et jusqu'à ma femme, même des fois, il y en a, ils ont des enfants avec ces femmes-là, qui lui a fait des enfants, 1, 2, 3, 4, 5. Et ben, il va falloir qu'il montre celle qui a porté ses enfants aux yeux de la terre entière, alors qu'il est suivi par des millions de personnes. Donc, je parle des gens qui sont zéro connus, pour montrer, voilà, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Normalement, un homme qui a un minimum d'honneur et de jalousie, il va jamais aller montrer le petit doigt de sa femme. C'est juste pas possible. Voilà. Mais eux, ils exposent ça. Ils exposent ça pour se sentir exister dans le regard des gens, parce que même en possédant cela, ils ne sont pas apaisés, ils ne sont pas heureux. Ils ont tout ça, hein. Ils ont toute la dunia à leurs pieds, mais ils ne sont pas heureux. Regardez-les. Quand je ne passe pas ma vie, attention à les regarder, ne croyez pas que je suis là abonné à leur compte, mais c'est du peu qu'on m'a rapporté, le peu que j'ai pu croiser comme ça sur Internet. Et si, vous savez, ils font tous la même chose, donc une fois que tu en as vu un, tu les as tous vus. Mais c'est instructif d'un sens, pour faire le rappel. Hein. Je n'y passe pas ma vie sur leur truc, mais le peu que j'ai vu. Tu te dis toujours, Alhamdulillah, je suis pas comme ça. Dans le Musta'in, ça te permet de faire le vikr, ça te permet de te rappeler et de faire une exhortation là-dessus. Donc, il y a toujours un bien. Il y a toujours un bien quand on sait gérer. Et oui, ils sont en train de manger, jusqu'à en train de manger. Alors, il est face à la mer, il mange un repas très cher, mais il faut qu'il montre. Il apprécie même pas sa vue et son repas. Il veut juste le montrer sur les réseaux. Regardez, je suis là, j'existe. Subhanallah. Quelqu'un, il est sur son balcon en train de boire un café et il habite dans une cité dortoir. Je crois qu'il est plus heureux que lui. Il montre à personne, il est bien, il vit son moment, vous comprenez? Eux, ils sont pas heureux, ces gens-là. Et Qarun n'était certainement pas heureux. C'est juste que, voilà, il fallait, comme dit, il a étalé tout son faste. Hein? Et les gens les envient, comme il dit, si seulement nous possédions autant que Qarun. Il a été doté d'une immense fortune. Et les gens de science ont dit, malheur à vous, la récompense d'Allah pour celui qui croit et agit en bien est encore meilleure. Donc, il n'y a pas, je l'ai déjà expliqué ça maintes et maintes fois, il n'y a pas à envier. Et les koufars en tête, et les pseudo-musulmans qui sont dans tel type de surenchère et de course aux richesses, il n'y a rien à envier en fait. Il y a quoi à envier? Il n'y a strictement rien à envier. On peut envier d'une saine envie, c'est-à-dire envie de lui ressembler, envie de faire des efforts pour le rejoindre, celui qui a une foi sincère, saine et qui a de la science. Cette personne-là, tu peux dire, ah vraiment, il a été doté de quelque chose de bien, ça lui est utile pour sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc j'aimerais être comme lui, ça me fait envie. Mais il a telle femme, telle voiture, telle chose, c'est quoi ça tout ça? C'est de la poussière. C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout, mes frères et sœurs. Mais malheureusement, on a tellement les fois faibles qu'on est émerveillé devant très très peu en plus, bien souvent. C'est même pas devant beaucoup, devant très très peu, on a les yeux qui s'écarquillent et on oublie complètement Allah. Je veux dire, si un de ces gens-là, là, riche comme ça, il nous jetterait quelques petits billets en pagaille au visage, en nous méprisant, en disant « Viens me cirer les pompes, mais arrête de prier », je le crains, hein. Mais je pense que, ouais, je pense que beaucoup de nos frères et sœurs partiraient, quoi, très contents. J'ai vu des choses tellement ignobles sur les réseaux. C'était une capture d'écran, vous savez, avec deux. Comment dirais-je? Vous savez, quand quelqu'un vous appelle sur un iPhone, par exemple, sans faire de pub, vous voyez ce que ça représente. Il y a le nom qui s'affiche avec déverrouillé, tout ça. Vous voyez? Bon, il y avait. On peut faire une capture d'écran de ça. Bon, très bien. Ben, il y avait une capture d'écran à gauche d'un appel. On va dire qui c'est après. Et de l'autre côté, à droite aussi, une capture d'écran avec un appel, pareil. D'un côté, il y avait marqué Booba, de l'autre, il y avait marqué Papa. Et il y avait marqué en légende au-dessus. Si c'était dans cette situation-là, en gros, c'est qui avec qui tu décroches? Il y a Booba, il t'appelle, ton père, il t'appelle. Qui tu décroches et qui tu raccroches? La majorité des commentaires de ces égarés-là, c'était je réponds à Booba, mon père va me casser la tête encore et tout et tout. Vous imaginez? Il lui donnerait 5 centimes pour lui lécher les pieds, je crois qu'il ferait. Non, mais on en est là. Il lui dirait, je te file un petit salaire de 3000 euros par mois, cure-moi l'air, cure-moi les doigts de pied et arrête de prier à Allah. Il le ferait. La majeure partie des... Regardez le combat de Floyd Fendus, je sais pas qui, là. Avec ça. Combien il a empoché? 380 millions de dollars, je sais pas quoi. C'est quoi, ça? T'as de quoi? C'est le PIB de l'Afrique. J'exagère, vous comprenez?
C'est quoi ça? C'est quoi? Comment des musulmans, yani, ils peuvent contempler ça? Ça, c'est juste, c'est des shayatines qui ont fait le show, qui ont empoché des milliards, des, je sais pas combien, des millions. Et on peut nourrir là, quand je dis l'Afrique entière, c'est exagéré, mais on peut faire beaucoup pour les gens qui sont dans le besoin. C'est du gaspillage total. Ces gens-là, ils ne sont rien. Et il y a des musulmans qui contemplent ça, qui regardent cela. Et c'est là que j'en viens. Quand je dis, tu me dis, ah, t'exagères quand même, principe. Je pense pas qu'ils arrêteraient leur salat. Je pense pas qu'ils délaisseraient leur deal pour aller curer les doigts de pied à Booba. Mais même si Yanni demanderait de lui, je vous dis, de lécher ses toilettes, je crois qu'ils iraient. Ton père, il t'appelle, Booba, il t'appelle, tu décroches à Booba. Subhanallah. Ton papa. Subhanallah. Ça, c'est vous imaginez? C'est grave. Un démon, il t'appelle. Ah ouais, je lui réponds. Alhamdulillah, Booba, il m'appelle. Hein. Déjà, rien que je le bloque, rien que je le bloque, celui-là. Mon père, il m'appelle, je décroche dans la minute. C'est mon père, subhanallah. Qu'Allah le guide. Je sais pas, il y a quelque chose qui tombe plus rond dans la tête des jeunes ou c'est comment? Et n'importe quoi. C'est strictement n'importe quoi. Et donc, le combat, là. 5h du matin, qui se lève pour le Fajr? Qui se lève pour la prière de l'aube? Ah, par contre, là, ils sont levés pour regarder un combat de boxe entre deux shayatines qui ont pris des milliards. Super! Super! Ils ont regardé une chose qu'Allah n'aime pas. En soi, c'est un combat de boxe, c'est haram. Et en plus, il y avait de l'opulence et de l'ostentation et du gaspillage d'argent. Allah n'aime pas ça. Et en plus, ils se lèvent pour ça, mais jamais pour le Fajr. Et on veut quoi? C'est avec une élite comme ça de la Oumma qu'on veut quoi? Qu'on veut que les Syriens arrêtent de souffrir? Il faut réfléchir un petit peu. C'est ça l'armée qu'on a aujourd'hui? C'est cet ocar-là? Subhanallah. Subhanallah. Et on veut, on va sauver la Birmanie. Oh oui, 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 c'est sûr. Et il n'arrive pas à lever sa couette pour le Fajr, mais il veut sauver la Birmanie, celui-là. Oui, oui. Oui, oui. Oui, on va la sauver. C'est sûr. C'est sûr. Déjà, il faudrait commencer à se lever de bonheur. Non, mais sérieusement. Hein? Donc, c'est pour toute chose comme ça. Ils sont émerveillés par la dunya. Ils sont dans les gens, ils sont dans les futilités. La plupart, bad-ness de chez les musulmans, ils sont comme ça. Dans les futilités, dans l'émerveillement du hara, dans tout cela, ils oublient la religion, n'apprennent pas la religion. Ô combien on est peu à étudier la science. Je dis, moi, je reste complètement ébahi, et là, pour ce coup-là, en bien, quand je vois des gens qui, depuis le début, j'ai commencé les cours, je crois, il n'y a pas un seul cours, ils ont loupé, ou alors, ils ont loupé deux. Sur les... Comment on a fait de cours, maintenant? Hein? On a dépassé peut-être les centaines de cours, je sais pas. Il y a des gens, tous les jours, ils apprennent. Et plus, c'est des jeunes. Tous les jours, ils veulent apprendre leur religion. Subhanallah. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir cela. C'est vrai que le tableau, il n'est pas tout noir non plus. Il y a du positif. Mais la plupart des gens, ils n'ont rien à faire. Ils n'apprennent pas leur religion. Ils prient pas. Ils se fichent de Arafat ou rien. Juste le Eid, tout juste. On va mettre une tenue, on va faire ça à la telle Eid parce que c'est la tradition. Ils se fichent de leur religion totalement. Ils sont ébahis par le haram. Ils suivent les koufars à la lettre. Je vous dis, Booba, il appelle. Ou ta mère, elle t'appelle. Khlas, il bloque la mère. Il répond à Booba. Il lui demanderait de lécher ses toilettes. Je crois qu'il le ferait. Ah, il serait un honneur pour moi de lécher les toilettes d'un démon. Vous comprenez? Il lui dirait, arrête de prier, je te donne 3000 euros par mois, même moins. Juste passe du temps avec moi. Viens me rejoindre en studio. Combien de jeunes rêveraient? D'ailleurs, ils font des concours parfois comme ça. Gagne une séance studio avec Booba si tu réponds nanani, je sais pas quoi, au concours. Pendant qu'ils vont être en studio avec ce démon, ils vont faire salat. Parce que c'est des petits musulmans qui les écoutent. La plupart. Il y a des koufars, c'est vrai, mais la plupart, c'est des petits musulmans. Pensez vraiment qu'on va faire salat là-bas? Donc, c'est l'appel des démons, c'est l'appel du fric, c'est l'appel du brillant, c'est l'appel des femmes, c'est la tentation, c'est la dounia. Et ça appelle très 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 fort les gens. Ça appelle très très fort les gens, et même les koufars bien sûr, mais même ceux donc qui se revendiquent musulmans. Et c'est la plupart du temps nos petits frères, nos petites sœurs. L'appel est très 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 fort, très très violent. C'est comme un aimant, vous voyez comme un aimant? Vous prenez ça, un pouvoir d'attraction comme ça. C'est la fonction de l'aimant. Allah Azza wa Jalla lui a donné une fonction, c'est ce pouvoir d'attraction. Mais il n'est là. Bah, c'est pareil. Et tu vois tous les gens qui accourent vers cela, alors que ça vaut rien, c'est de l'égarement. Il y a combien de personnes pour la prière? Subhanallah. Il y a combien de personnes pour un cours? Des fois, on me dit, je veux une réponse à ma question. Je lui donne des séries de cours. Il faut écouter ça. Non, mais moi, je veux une réponse. Mais non, il y a rien, il faut étudier. Je t'ai donné juste une série de 3, 4, 5 cours. Écoute-les. Enrichis-toi. Ils veulent une réponse comme ça. Vite. Parce que vite après, il y a Booba qui sort un nouveau son à 18h. Il faut que j'écoute. Je voulais juste une réponse comme ça, vite fait. C'est pas comme ça. Et subhanallah, c'est même pas qu'on les déteste, c'est qu'on est triste. On est triste de voir des choses comme ça. Nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Hein. Mais quand on voit, c'est triste. Wallah, c'est triste. Autant de gens que Shaitan a dupé et complètement aspiré par la dunya. Et ils voient. On peut trouver des choses, des belles choses dans dunya. Il n'y a pas de doute. Une femme, c'est une créature, c'est une tentation de dunya. Mais quand tu l'épouses, elle est belle. Tu peux t'ébahir devant sa beauté.
Des fois, il y a une belle voiture, on le reconnaît. C'est un beau vêtement. On n'a pas dit qu'il fallait vivre dans une forêt et ni à regarder que les feuilles des arbres. C'est pas ce qu'on dit. Ça, c'est de l'exagération. On va pas faire du monachisme non plus. Et on aime un bel appartement. D'ailleurs, c'est conseillé. Hein. C'est fait partie de la joie du croyant. Avoir une bonne femme, une belle monture, un beau logement. C'est sûr. C'est le hadith, sahih. Hein, j'aime avoir un bel appartement, une belle femme, une belle monture, bien sûr. Mais il y a des limites. Il y a des limites. On ne doit pas être ébahi devant ces choses-là à un point. La langue pendante avec la salive qui coule. Et puis oublier salat, oublier siyam, oublier l'au-delà, oublier l'ilm. Non. Non, on sait c'est quoi les vraies priorités, les vraies choses. Mais on a nos moments de familièrement, de kiff. Hein, bien sûr, j'aime ces choses-là, j'aime la bonne nourriture. Bien sûr. Mais toujours le croyant, il se rappelle que ça, c'est éphémère, c'est dunya. Et il se concentre sur être din al-islam. Et puis, il ne va pas dans les choses exacerbées. Il ne prend pas dans le haram. Et puis, il n'est pas émerveillé devant des boxeurs, devant des rappeurs, devant des multimillionnaires ou milliardaires corrompus, devant des ceci, devant des cela. Il aime ce qu'Allah aime. Et Allah ne déteste pas le beau logement. Allah ne déteste pas la belle femme pieuse. Allah ne déteste pas les enfants. Allah ne déteste pas la bonne nourriture. Et Allah ne déteste pas la belle monture. Donc tout cela, c'est des choses qu'il se dit, c'est licite pour moi. Donc je prends. Je prends ma part. Hein, je prends ma part. Mais il faut prenez garde à l'attraction de dunya, à l'exagération et à tout un tas de choses qui sont haram à la finale. Hein. Comme on voit aussi sur les jeunes et les aberrations du net, j'aurais pas assez dans le cours pour les nommer et les citer. Masha'Allah devant des photos de haram. Il masha'Allah pour tout. Tout est masha'Allah, tout est magnifique. Subhanallah. Tout est magnifique à chaque fois. Il s'émerveille, il y a quelque chose de haram, mais masha'Allah. Comme on disait, les encouragements. Quand j'ai parlé du combat de boxe, ils encouragent le haram. Félicitations au vainqueur. Subhanallah, mais félicitations de quoi? Je félicite un kafir déjà. Félicitations de quoi? De prendre, comme j'ai dit, avec un air caustique, faire le PIB de l'Afrique? Pour t'acheter quoi? Des piscines, des chariotines en guise de femme? Mais quoi? Les vêtements, les jets privés? Super, félicitations. Félicitations de quoi? C'est comme félicitations pour ton mariage. Moi, j'analyse. Comment tu t'es marié? Il y avait un DJ, on s'est fréquenté 5 ans dans le haram, mais là, alhamdoulilah, on va faire les choses bien. Il y avait un DJ, on n'a pas bu d'alcool, alhamdoulilah, mais on était mélangés, qu'est-ce qu'on a rigolé, super. Ok, moi je te dis Allah ibarak, je te dis mashallah, je te dis rien du tout. Je te dis, subhanallah, repentez-vous, parce que votre mariage est très mal parti. Le croyant, il doit juger avec kitab wa sunna. Il n'y a pas de félicitations dans le vent pour rien. Il n'y a que des masha'Allah, des félicitations, des bravos. Le frère, je vous dis, vient de décrocher un travail, n'est-ce pas? Il vient de décrocher un travail, et puis déjà, on s'intéresse à quoi ce travail? Peut-être le travail en lui-même, il est haram. On ne va pas l'encourager là-dedans, on ne va pas lui dire masha'Allah, mon frère. Hein? La sœur, c'est pareil, je viens d'avoir mon diplôme. Ah, d'accord, Orti. Donc là, tu t'interroges, parce que toi, Inch'Allah, t'es souvenu, tu dis, ça se trouve, c'est un diplôme, masha'Allah, elle l'a eu qu'avec des femmes, c'est utile à la Umma, elle a fait ses salats à l'heure, elle était voilée, tout ça, quoi. C'est ça là, on peut dire, on se félicite une sœur pour son diplôme. Ah non, 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 elle était les cheveux dans le vent, hein, cheveux dans le vent, je mets Maybelline, et puis la bise au garçon, et puis tranquillement, fac de psycho, fac de psychologie, de philosophie, et puis elle est toute contente, et c'est la fierté de son papa, hein. Masha'Allah, elle n'a jamais prié à l'heure. Puis c'est fierté de quoi? Fierté de quoi? La dunya, ça aveugle, wallah, ça aveugle, ça aveugle. On n'a pas à être fier de ce qui fait la honte d'un musulman normalement. N'est-ce pas? Pareil, et on a tout confondu, quand il y a du khair, quand il y a de quoi être fier, ben c'est la honte. Ah, mon fils, il est polygame, je parle même pas des parents mécréants, je parle des parents musulmans. Ah, mon fils, il est polygame, c'est la honte de la famille. Subhanallah. Il sera la fierté de Mohammed pour avoir perpétré une sunna et agrandi la communauté. Donc ce qui est bien, c'est la honte des musulmans, la barde nasse hein, parmi les musulmans, je parle. La plupart des gens, malheureusement, la plupart sont égarés. Et donc, les choses de bien, c'est la honte, et les choses honteuses, c'est très bien. Qu'Allah nous préserve de l'illusion de cette dunya, qu'Allah nous donne notre part, mais nous permette d'avoir les yeux bien ouverts sur cette réalité. Hein. Je suis toujours long quand j'explique des choses, mais c'est parce que aussi, j'aime expliquer les choses en détail, et je vous aime aussi en Allah, et je veux pour vous le bien. Je veux pour vous le bien. Donc, voilà le récit de Paro dans l'introduction. Je pense qu'on complétera au cours prochain. Alors, pour ne pas être trop long non plus.
Juste, je lis la fin de la page. Pour Ibn Abbas, Ibrahim al-Nakhai, Abdallah ibn al-Harith, Ibn Nawfil, Samak ibn Harb, Qatada, Malik ibn Dinar, Qarun était le cousin de Moussa. Ibn Jurayj ajouta qu'il était Qarun, Ibn Yashar, hein, Ibn Qahith, et que Moussa était le fils de Imran ibn Qahith. Et que c'est là la vue majoritaire, hein, chez les savants. Et il rejeta également l'avis de Ibn Hishaq, disant qu'il était l'oncle paternel de Moussa. Donc ça, c'est pour s'aligner. Et une brève introduction sur son histoire en citant les versets dans le sens de Surat al-Qasas. Et Qarun, en français, c'est ce qu'on appelle Corée. C-O-R-E. Corée. C'est comme ça qu'il est cité notamment chez les chrétiens, les juifs. Corée. Ils ont dit Qarun. Voilà. Donc on continuera, je pense, son histoire la fois prochaine. D'accord, j'avais enregistré une partie durée 40 minutes, là on est à 20 et quelques, on a fait l'heure, et on finira son histoire la prochaine fois. En plus j'ai développé d'autres choses, j'étais obligé, c'est ce qui m'est venu en tête, d'autres choses, d'autres exhortations, donc on n'a pas pu bien approfondir sur son histoire, mais rien que les versets nous détaillant, enfin nous expliquant plutôt en bref son histoire, étaient suffisants pour avoir de quoi parler, largement, hein. Ça devait être un rappel pour toute personne qui est croyante et qui vit dans cette dounia en ce moment et qui voit les choses, qui voit très bien comment ça tourne. Et c'est complètement fou. C'est complètement fou. Les gens sont omnibulés, fascinés par malheureusement des choses qui méritent aucune importance. Wallahu a'lam wa ahkam, subhanaka humma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah? Pas de question. Non. Alors, barakallahu fikum. Et à demain, Inch'Allah, Boulour al-Mahram. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.